Et c'est le même argent, c'est juste de m'adapter quoi. C'est juste que moi comme ça que je le répète. Parce qu'après le truc c'est que genre, moi sur mon tableur et tout, j'ai pas différencié ce que on recevait sur Google et ce que je trouve sur Liquid, et il faudrait que je le fasse. Ok. Parce qu'on n'a pas du tout la même somme. Via PayPal, vu qu'ils prennent la grosse commission. Ouais. C'est un peu relou. Parce qu'en vrai, genre, par exemple, tu te souviens, le dernier Azure et tout, on était censé avoir une certaine somme sur PayPal, sauf qu'on l'a pas. Ouais. Parce qu'on n'a pas reçu 12 euros. On a reçu 11,30. Ouais. Donc, du coup, ça fait qu'on a presque 100 balles de moins. Taïs, je peux avoir ma bouteille d'eau, s'il te plaît? Non, celle-là, la Kezak. Merci. Buvez Kezak, sponsorisez Kezak. S'il vous plaît, Kezak, on vous fait de la pub gratos, donnez-nous de l'argent. Merci, bisous. Je me rafraîchis grâce à la Kezak pleine de nutriments. Kezak virement du coup, PayPal smashazurecommunity@gmail.com. Tain, et Yuzak qui allait chercher un kill un petit peu sympa, un petit mix-up un peu cool sur la reco du Ridley. Je pense que c'est une phase qu'on va revoir un peu souvent, je pense. Hein. Première game qui va à Yuzak. Thaïs, tu peux me programmer les autres matchs en stream, s'il te plaît? Merci. Allez, on repart sur le commentary maintenant que la comptabilité est faite. Si vous voulez voir les comptes, n'hésitez pas à demander. On se fera un plaisir de refuser parce que c'est normal. Hashtag do not unban Saba. Donc pour l'instant, une stock un peu compliquée pour Suga. On n'arrive pas à trouver des openings francs sur Banjo. Puis on se fait poke un peu par tous les projos de merde du personnage. Là, on a drop le shield. Du coup, on a pris la dash attack, c'est dommage. Alors que se confirme fonctionne excessivement bien sur l'ami Ridley.
Interaction un petit peu étrange, mais on a réussi à garder son sang-froid du côté de Shuga, et pour l'instant on peut peut-être arriver à prendre cette stock en... avec un petit edgeguard sur le banjo. Ça passe, on va devoir utiliser une autre plume, on en a plus qu'une pour cette stock. Ah, le smash qui a pas touché, là malheureusement c'est la stock qui est prise du côté de Shuga, dommage, on s'est fait avoir par ce grab. On s'est fait avoir par ce grab. Rien n'est perdu encore, je pense que TC fonctionne bien, on a trouvé une petite phase en ledge rap bien sympathique. Le bon backer qui est trouvé, on a que 56% du côté de Shuga. Il y a moyen de prendre cette game. On va essayer de faire en sorte que Yuzak ne creuse pas le lead qu'il possède. Avec les petits nerfs qui sont trouvés pour gratter les pourcentages. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce setup obscur? Qu'est-ce que c'est que ce setup obscur? Putain, j'y crois pas. Il a pris tarif hein, sur ce setup bizarre. On arrive à mix-up le mashing. Et pour l'instant ça fonctionne. Attention à Yuzak en désavantage ici, à ne pas se laisser avoir par les forces de Ridley. C'est passé quoi? Is it Snake, LMAO? Ouh, et là c'est... Ah, encore une fois... On a des mix-up de mashing, malheureusement ça ne passe pas. Et c'est un 2-0 pour l'instant pour Yuzak. On est de retour sur Tarnane City pour cette game 3. Donc on s'est offert 3 balles de match hein, du côté du Zac. On va peut-être pouvoir essayer de s'adapter, de faire... J'aime beaucoup tes métaphores sur le tennis. Sur le tennis? Bah balle de match, ça vient d'où? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oh, il savait même pas quoi. Non mais t'es si fort que tu utilises des termes dont tu ne connais pas l'origine. Bah en fait non, je réfléchis, c'est juste qu'il n'y a pas forcément que au tennis où t'as des balles de match, tu vois. Ouais, tu dis... Balle de match, tu as joué avant le tennis? Au ping-pong aussi, tu vois. Ouais, ça. Ouais, mais bon, moi, c'est l'origine. Oh quoi, non, oh, peut-être. Putain, mais il troll de fou. Oh, ça troll de fou, par contre. En vrai, ça tech, très belle réaction et bon backer. Ils sont en freeplay, là. Il y a quand même 2-0 pour Yuzak. Pauvre Antoine. Je pense que Victor va être très déçu si Antoine perd. On va essayer de capitaliser sur cette avance qu'on a du côté de Shuga. Pas se faire poke, pas se faire avoir par les bonnes grosses douilles de banjo. C'est assez complexe parce que les œufs là, ça, à chaque fois il le prend celui-là et c'est un truc qui est très très efficace dans le match-up. On l'a vu perdre peut-être, je sais pas, sur les 6 stocks, 7 stocks qu'il a perdu là, il y en avait 4 qui étaient à cause de ça. Enfin, c'est un délire. On a pris 59% au respawn là, on avait une avance confortable et elle a fondu comme neige au soleil. Ok, on va essayer de trouver cet edgeguard là,
qui passe pour l'instant. Into la dash attack, très très bonne conversion de la part de Shuga. Boule de feu, dash attack, finalement l'un des seuls combos de Ridley. 3 boules de feu, tout dash attack. Oh, dommage, on avait la game. On avait la game sur cette interaction. On n'a pas assez attendu. Le side B qui ne va pas tuer. Si ça tue, ouais. Est-ce que la DIA a été chaotique? Un peu étrange. Mais Antoine s'offre cette première game. On débloque le compteur. 2 à 1 pour l'instant. A savoir que de l'autre côté du bracket sont en train de s'affronter JS et Rapopovic pour une place en loser semi. Pendant que Tico, pour la première fois depuis les KOTH, si je dis pas de conneries, est en grande finale winner side. Non, j'ai déjà fait une grande finale contre le winner side, mais j'ai trop l'air de sourire. Bon, deuxième fois. C'était, je crois, au deuxième ou troisième KOTH. Ok. Mais sinon, oui, ça fait n'importe quoi. Ok, ok. Donc, je fais côté winner. On est aussi sur un set historique, hein. Hugo qui bat enfin son bracket Demon. Moi. Non, je charrie. Il a gagné 2-1, il a mieux joué. Oula, oula, oula. Attention à ces biffy là. Ça, on reconnaît bien la patte de Jean. Les biffy up B, histoire de te choper la gueule au ledge, au gars qui est pas très prudent sur son ledge trap. Mais c'est risqué. Et on prend grenade to upper, into F tilt. Le petit œuf au ledge, attention, et voilà ce set B, on a réussi à le tech heureusement. On va peut-être arriver dans les pourcentages où ça va commencer à devenir intéquable, et là ce serait dramatique. On a repris un confirm. Ah, on a repris un confirm grab. Enfin, œuf into grab. Et. J'ai vu la tête d'Antoine, à mon avis, on a dû se faire shield poke. Sur ce Wonder Wing. Seth Jones dans les Seth Jones de la part de Rapopovic. On Jones à retardement sur le match en winner semi contre Tico. On a plus de plumes pour cette stock là du côté de Banjo. On va devoir trouver des kill options au grab, ce qui n'est pas un problème hein, depuis le début. Et au moment où je le dis, il est passé à la station essence, il a récupéré toutes les plumes et on est reparti. Stock égal, légère avance de la part de Banjo. Le petit Yuzak. Et on s'est SD. Pas vraiment un SD hein. On s'est vraiment fait gimp du côté de Shuga. Et là malheureusement c'est potentiellement la dernière stock de tournoi pour Shuga, qui a peut-être concédé la victoire à Yuzak. Rien n'est encore joué, mais c'est bien engagé pour l'instant. Dommage hein, on s'est fait avoir par la petite douille. 2-1 pour Yuzak. Antoine qui commence à perdre un peu patience là. On bourre des smash en se disant pitié, rentre dedans. S'il te plaît, rentre dedans. Et c'est le Wonder Wing qui viendra prendre le set pour Yuzak. 3-1. Petit upset sur Shuga.